Bien sûr, vous vous souvenez, on avait tous le petit papier dans la poche. Et au dos de ce papier, j'ai écrit ce thème. Mais voyez, c'était très gai pour moi. Il faut toujours transformer un peu les choses pour que ça soit sympa. Je vous présente l'orchestre Nuages de Swing. À la batterie, monsieur Laurent Chaufflet. D'avoir pu remplacer sur un répertoire qui est quand même pas facile, monsieur Enzo Fabre. J'ai à côté de moi un jeune homme qui nous suit depuis presque peut-être les débuts de l'orchestre, mais au départ il était dans le public. Il était tout timide, il osait pas venir. Et en fait, on l'avait repéré. On a dit, regarde, il est là. C'est le groupie. On a hésité à faire un signalement. C'est jamais, vous savez, des fois, ça arrive. Hein, voilà. Et en fait, après, je me souviens, t'es venu prendre quelques leçons de guitare. C'est génial parce que je lui ai appris la pompe et je lui ai appris à la manière que j'aime bien. Ça m'arrange parce que maintenant, il est l'accompagnateur avec qui je travaille le plus. Il nous vient directement de Barcelone. Monsieur Vivian García. Ah. Il a vécu longtemps à Barcelone et en fait, des fois, on le faisait venir pour faire l'accompagnement et c'était l'époque encore où les billets d'avion, vous payiez des fois 25 euros pour faire... Enfin, c'était moins cher que d'aller à Paris. Donc, en fait, on l'appelait depuis Barcelone. Ça donnait un côté un peu international au groupe. Et à côté, le grand garçon que j'estime, vous savez, il m'inspire
dans mes compositions, des fois quand j'écris comme ça, c'est un truc un peu difficile et tout, je me dis, il va me faire ça comme un... ça va être terrible. Monsieur Jérôme Nicolas! Monsieur qui parle, Laurent Courtois, messieurs, dames, à la guitare solo et aux compositions. Enfin, c'est fini là. On a fini. Voilà. Oh, 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 oh.